Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 23 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée du matin, cette belle philosophie positive, eh bien aujourd'hui c'est vivre sans regret. Lorsqu'on fait les choses à temps, on s'offre une chance de vivre sans regret. Voilà le message. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé l'infini, potentiel illimité. Et ça me fait penser que, voilà, nous sommes le 23 août, mais le 8 août, nous étions dans une énergie, dans un portail énergétique 8-8-8, n'est-ce pas? 3 fois 8. Et selon les énergies, c'était 8 plus 8 plus 8, ça fait 24. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, nous étions dans les énergies 6. L'infini. Eh bien, oui, l'infini est symbolisé par le chiffre 8, horizontalement. Aussi appelé l'emnicat. Et il s'agit d'une courbe ininterrompue. Sans début ni de fin. Eh bien, vos possibilités sont infinies. On vous invite à voir grand. On vous invite à vous fixer des objectifs exigeants et briser toutes les barrières, réelles ou imaginaires. C'est une carte qui est très très positive. Tout est possible. Vous avez un potentiel illimité. Alors, on vous invite à vous libérer des entraves que vous vous imposez. Parce que oui, il y a des entraves que vous vous imposez. Des croyances que vous vous imposez. Et là, on vous demande de faire le tri, faire le nettoyage. Si vous doutez de vos capacités, pour certains d'entre vous, eh bien, le moment est venu de croire en votre potentiel. Vous avez un potentiel illimité, vous avez un très fort potentiel, mais vous doutez de vous. Pourquoi doutez-vous de vous? Pourquoi n'avez-vous pas confiance en vous? Alors, ce signe peut aussi indiquer que vous êtes à l'aube de quelque chose de beaucoup plus important que vous ne l'imaginiez. Quelles que soient, n'est-ce pas, vos idées actuelles, eh bien, elles sont appelées à se développer. Faites le nécessaire pour développer ces belles idées que vous avez. Vous avez peut-être un projet. Eh bien, go, 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 n'est-ce pas? Le projet, il est bon. Cette carte, elle vous demande aussi de ne pas vous contenter de moins. Non, voyez grand. Ce serait évidemment facile, mais votre destin est plus grand. Alors, ne lâchez rien. Il y a de multiples possibilités alentour de vous. Il y a des multiples possibilités dans votre tête. Il y a une expansion en vue. Et on vous demande non plus aussi d'éviter l'auto-sabotage, hein? Il y a une situation en cours qui est très bénéfique, ce sera salutaire. Il y a vraiment un potentiel dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez réaliser. Il y a, voilà, vraiment, hein, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Il y a une belle création, un projet que vous êtes en train de mettre sur pied ou que vous allez mettre sur pied.
Donc voilà, c'est vraiment une belle carte positive pour terminer cette semaine. Et dans le petit oracle des couleurs, eh bien, j'ai pigé jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Eh bien voilà, l'infini, potentiel illimité. Je suis libre et sans entrave. Quelle belle synchronicité. Si maintenant, il y a des personnes alentour de vous qui vous disent « Mais non, ne fais pas ci, ne fais pas là, ne les écoutez pas. » Écoutez votre intuition. Beau message pour terminer cette semaine. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très, très, très joli week-end. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, en douceur. Aimez-vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Prenez soin de vos animaux, si vous avez des animaux. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.